Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, ici Jake pour Iva Sound Studio. On est sur Super Mario Bros 35, dernier stream de ce jeu, dernière session, car c'est le dernier jour de disponibilité de Mario 35. Pour fêter les 35 ans de Mario, Nintendo avait mis ça en place en octobre dernier, et là, voilà, on est dans les dernières heures de disponibilité de Mario 35. Du coup, on va passer la soirée ensemble dessus. Pas la nuit, non, mais la soirée. J'espère que il y aura du top 1. C'est quand même l'objectif. Dernier jour, on va essayer au moins de faire top 1. Voilà. Les quêtes du jour. Vaincre 20 ennemis lors de bataille 35. Ça devrait aller la roulette une fois. Non, bon, ouais, franchement, ça va. Et 30 stages, ça ira tranquillement. Des petites quêtes assez simples à réaliser. D'ici là, il y a eu du follow hors stream, comme à chaque fois, je les affiche, si ça veut bien s'afficher. Merci à Todd Dragon pour le follow, et merci à, si ça s'affiche bien, non, là, ça va pas s'afficher. Merci à Billy Lu pour le follow, voilà, ça s'est bien affiché. Si vous followez, c'est très français ça, si vous suivez hors stream, bien sûr, on l'affiche au stream suivant, c'est la moindre des choses. Bien, commençons cette histoire de Mario 35. Je suis un peu déçu d'une chose, c'est que 1, j'aurais pas atteint le niveau 200. 2, je pense pas que ça puisse se passer ce soir. Le niveau 7-4 et le niveau 8-4 n'auront pas été réalisés à 100%, enfin en gros en entier. Ça veut dire que je n'aurais pas débloqué Luigi sur ce jeu. C'est la seule chose qui me manquait, sinon tout le reste était là, hein, vous pouvez l'apercevoir. Sur cet écran. Allez, trêve de bavardage. Bamos. Et voilà, donc le jeu, bah, c'est écrit là en fait. Disponible jusqu'à demain matin, 8h59, heure locale en France. Bon, on arrête aux alentours de minuit, un peu avant minuit, là ce soir, hein, bien sûr. Je vais pas faire un stream demain matin à 5h du matin, c'est pas possible. On va faire une bataille à 35 histoire de faire les quêtes. Après, on ira sur du spécial, histoire de voir ce qu'il nous réserve. Et on reviendra sur de la bataille normale, bien entendu. Je parle un peu fort. C'est volontaire, parce que tout le monde dit que je parle pas assez fort. Les voisins vont râler, mais ce n'est pas grave. Je suis un peu enrhumé, ça m'aide pas. Quelle idée de pédaler face au vent aussi. Ah! Bon. Skill ou pas skill ce soir? Ça, c'est une question. On va essayer de faire un peu de skill quand même. Finir... cette série en beauté. Qu'il est beau ce jeu, que ses graphismes sont beaux. Oh là là. Dites-vous qu'on est en 86 hein, quand le jeu sort. En 1986, dernière nouvelle, j'étais pas encore né. Je sais plus si quand. Non, Mario Bros 2 est sorti. Il est sorti quand Bros 2. Non, Mario Bros 2 est sorti après que je sois né. Allez-y pour les hockey boomers, hein, c'est le moment. On rappelle, hein, Mario 35 n'est rien d'autre qu'un battle royal. Traduction en français, une bataille royale. Oh là là, quelle horreur. C'est la fatigue, je pense. J'ai pas du tout retouché Mario depuis le dernier stream Mario. Si je l'ai fait une fois, j'ai rejoué à Mario une fois, à Mario 35. Wow, bien. Même si un peu pressé. En vrai, le niveau 200, on peut l'atteindre. Mais à condition de faire 15 fois top 1. C'est pas une blague. Quête, c'était 20 ennemis, une roulette, 30 niveaux, c'est ça. Bon, 20 ennemis, ça a dû être bon. La roulette n'a pas encore été utilisée, par contre. Je
J'ai envie d'éternuer, ça commence bien. Pardon, excusez-moi. Eh bien, c'est pas sauté ce soir. Le téléphone n'arrête pas de vibrer, j'espère que vous ne l'entendez pas du tout. C'est dû au contexte hein, de ce qui se passe un peu aujourd'hui. Là, je m'étais engagé à faire le stream ce soir, j'y tenais énormément, vraiment ça me tenait à cœur. Je respecte mon engagement, clairement, c'est tant pis, je répondrai au message après. Et au pire, ça attendra demain matin. Il n'y a pas mort d'homme. Pas encore du moins. Oh! Le petit Goomba là? Va nous emmerder en kikiné. Wow, j'ai failli glisser là. J'ai vraiment là ce 1-3. C'est n'importe quoi. Allez, 5. C'est pas mal, 5. Peut-être que je tenterai un truc demain quand même. On a vu que les serveurs coupaient à 8h59 demain matin. De 8h à 8h42-43, je suis dans le train, moi. Je peux me mettre en 4G. Il faut sur la Switch pendant ce temps. Histoire de faire les derniers trucs, je pourrais faire ça demain matin. Ça changera un peu d'être sur l'ordinateur dans le train. On a du temps. Il n'y a que 4 joueurs en lice.
3 joueurs, top 3. Pour une première partie, c'est pas mal. Le dos droit, oui. Ah, flûte. C'est pas grave. Il y a du monde en bas. Mais d'où il sort celui-là? C'est un niveau aérien, hein. C'est pas roleplay, ça. C'est pas RP, hein. Allez, la roulette. Comme ça, au moins, c'est fait. Oh, bah tiens. C'est une roulette cadeau. J'y arrive. Alors, est-ce que je vais pouvoir atterrir? Oui. Voilà, attention, là, attention. Voilà, c'est bien. Viens là, toi. On passe de l'autre côté. Ok, d'accord. C'est honteux. Oh non. En plus le 7-2. Ah oui d'accord, on passe du monde 1 au monde 7 là. Gratuitement. Nintendo dans la provocation. Oh, ça par contre c'est intéressant. Plus que 2, plus que 2. Yes. Marteler la manette. C'est quoi? C'est le 2-3, d'accord. C'est pas le 1-3, c'est le... pas le 1-3. C'est le... Bon, vous m'avez compris. Ou pas, mais moi je me suis compris. C'est le principal. Là, il fallait que ça arrive. Ah non, 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 ça c'est pas cool. Ça c'est déjà un peu plus cool. Hop, 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 hop. Me demander comment je suis passé, j'en sais rien. C'est soit le skill, soit la panique. Peut-être ou un mix. Oh 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 ben oh, oh ben première partie, objectif atteint, dis donc. Parfait, farpé comme on dirait. Ah je suis content. Ah ben c'est bon, ma soirée elle est faite. Top 1. Juste, je laisse défiler les pièces juste pour le fun, là, pour le bruit, pour la victoire. So much money. La capture, hein, bien sûr. Et 30 stages effectués. 30 stages, pardon, 10 stages effectués sur la quête de 30. C'est une bonne moyenne, c'est une bonne moyenne. Un top 1 dès la première partie ce soir, sérieusement. Sérieusement. Ah mais ils étaient pas de niveau très élevé. Ah, ils sont juste dit on va faire assez le dernier jour. Il y en a un si lui il est en farming. Ah oui mais c'était pas équilibré en fait. Si sur la fin mais.
Ouais, c'était pas très très équilibré. C'est pas grave, top 1, on s'en fout. Bon, on s'en fiche. J'avais dit une bataille spéciale, c'est quelle bataille spéciale? Oui, mais ça on sait. Petite bataille spéciale. Alors là, le top 1 n'est absolument pas garanti. La petite bataille spéciale, ça va être du niveau plus difficile. Un enchaînement de niveaux plus difficile plutôt. On verra bien que comment cela se passe. Enfin, s'il commence avec le 1-1 quand même. Il y avait déjà des pièces par contre. Vraiment failli glisser, c'est pas... pas fifou. Non, sérieusement, non, non, ça c'est pas bon. Ma maladresse hein, légendaire, tout le monde le sait. Non, l'étoile! L'étoile s'est barrée, est-ce qu'elle va revenir? Que l'étoile revient. Reviens l'étoile. Reviens l'étoile, non. L'étoile revient pas. Flûte. Ça m'emmène, c'est... Voilà, ça m'handicape. Du coup... On va faire attention à l'enchaînement de Goomba. On va faire ça. 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 Et ça voilà, on récupère la fleur en martel. Charles, martel, bien sûr. C'est Charles? Oui, c'est Charles, je sais plus. Hop, 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 hop. Dans l'ordre. Les niveaux ont l'air d'être dans l'ordre. Oh non! C'est peut-être pas tout à fait... Ah mais si, si quelqu'un a pris la warp zone dans le 2-1. Dans le 1-2 plutôt. Oh là là. Dans le 1-2. On va le dégager. Voilà. C'est dans l'ordre. Ok. Alors, Kalmos. Ah, oh, j'aurais pu tracer, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas grand-chose dans la timeline. Ça, c'était prévisible. De roulette là. Voilà, j'ai presque envie de la refaire encore. Oh yes. Oh non, bon, on trace la frame d'invulnérabilité.
Et ça passe. On passe au 2-1. On récupère une fleur ici qui est gratuite. La voilà. Enfin. Le retour des Lakitu. Je vais dire si je fais top 10, c'est pas mal, mais en fait, je suis déjà 12ème. Je pense que j'aurais dû prendre la Warp Zone aussi. Ah, quoi que non. Ça m'aurait. Je serais vite allé au. Soit au monde 6 ou au monde 8. Ouais, non, non. En fait, je vais les faire dans l'ordre. Pas de Warp Zone. Ah voilà. Il y en a un autre qui nous attend juste après. Là par contre c'est... Voilà. Ah merde, mais je l'ai pas eu. Zut. Voilà, c'est bon. Oui. Très bien. Le 2-2. Ah oui, ça. Oh, le sergent marteau là. Frère marteau, sergent marteau, c'est. C'est dans StarCraft et donc Heroes of the Storm. Oh, je l'ai pas vu arriver celui derrière. Je suis déçu. Et lui qui... Mais il va me laisser les... Hein? Meurs. Non. Non, c'est moi qui vais mourir. Ah. Oh non, il y en a un deuxième. Au secours. Au secours. Vite, la carapace. Oh là là. J'ai fait n'importe quoi là. Bon, c'est pas grave. 6, 7, combien? 7. Bon. On en est où dans les stats? Oui, bon, ça voilà. Combien de parties? Ah oui, on n'a pas effacé le 10 et 11 de la dernière fois, c'est vrai. Bon, on va les effacer. Faut faire mieux que 10. Mieux que 10 pendant deux parties. Allez, on retourne en 35. Il reste encore 20 stages à passer en 35. 35 joueurs, bien sûr, et pour 1935. Il se passe, c'est pas tant. 1935. Je sais plus. Oh bon. Veuillez m'excuser. Non, je réponds pas au message. Non. Le téléphone qui continue, mais non, ne pas répondre au message pour le moment. Alors, on refait une remarque qui a été faite au tout début des streams Mario 35. Vous regardez les buissons verts, vous regardez les nuages, c'est la même chose. Hein. C'est juste la même chose. Ils sont colorés différemment. C'est la même chose. Thank you.
va y aller calmement. On va pas tracer, on va rester zen. Zen, soyons zen, comme dirait la grande philosophe du nom de Zazie. C'est une chanteuse, ça sert pas quand même, s'il vous plaît, un peu de culture. Un peu de culture. Surtout en ces temps, on a besoin de culture. Tracer quand même. N'importe quoi. T'es déjà un frère marteau? Non, on fonce pas, j'ai raté mon saut. Voilà. Quels sont les pires ennemis dans Mario Bros? Premier du nom. Les frères marteaux sont pas cool. Les là qui tuent, voilà, vous savez ce que j'en pense. Ouais, là qui tue quand même. Hein. Là qui tue en premier. Surtout s'ils sont nombreux dans Mario 35. Hein, parce que sinon ça passe. Mais c'est vrai que les frères marteaux là. Et l'ennemi le plus osef, qu'est-ce que ça pourrait être? Je dirais les boules de feu, parce que oui, les boules de feu sont considérées comme étant ennemies, vu qu'on peut se les renvoyer sur les adversaires, mais surtout avec les toiles, et je sais plus si en martelant la boule de feu sur une boule de feu, ça marche, ça fonctionne, on peut les éliminer. Donc je dirais boule de feu, parce qu'au final les boules de feu c'est pas bien méchant. Non, ça c'est pas classe. C'est pas classe, lol, les écoles ferment. Oh mon dieu, humour drôle. Non, c'est pas drôle. Et là, la bêtise! Mais c'est une voilà, zut. C'est une dégringolade. Oh mon dieu, un bilbal! Ça m'a fait peur. C'est une dégringolade! Quand même. Qui est du bilbal, c'est quelqu'un qui est passé. C'est que quelqu'un est passé au monde 5, 6, peut-être 8, 5, 6, 7, 8. Surtout 5 et 6. Ah bah tiens, le 5 justement, parlons-en.
sûr. Mais dis-moi qu'il y a une fleur, dites-moi qu'il y a une fleur. Un truc, quelque chose. Ah, oui, je prends, ça je prends. Tant qu'à faire, si je suis tout petit, si je peux éviter des ennemis. Et me mettre quelques pièces dans la poche. Ça peut être sympa. Oui. Non. Oui. Et là, c'est le drame. Raté. Pas. S'il est assez fourbe, il a pas trop de. Ah, putain. Ne pas se planter. Wow. Allez, c'est bon. Le bilbal sur la fin, il m'a fait peur. Hein. Non! J'ai mis un pas en arrière. Fallait pas, j'aurais dû faire un pas en avant. Pas grave. C'est pas grave. Septième. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que le 1-3 se ramène? C'est affreux ça. Il est nul ce niveau, il est inintéressant, il y a rien de bien dans ce niveau. Des niveaux en hauteur, il y en a des beaucoup mieux, des, certes plus difficiles, mais lui il est nul. Thank you.
rate pas l'étoile aussi, comme tout à l'heure. Enfin, niveau qui réchauffe le cœur, ce niveau plein de lave. S'embêter, franchement. Par la tortue, la coupa. Allez vite. Ce qui m'inquiète juste, c'est que tout le monde dans les restants a beaucoup de pièces. Mais vraiment beaucoup. Et on est tous avec une fleur et ou une étoile. Mes 20 secondes, moi, je suis...
complètement équilibré là sur les derniers. Là. Ça va se jouer au niveau difficile, je pense. Genre des nuages d'actitude, des bloops. Non! Je l'ai vu ce saut, je l'ai vu arriver. Ah! Bon, ils ont plus que 6, 5, 6. On va jeter un œil un peu en spectateur. On a à droite, on a Droop Goob. On a Bruno, ça c'est facile. On a un japonais. Madosman. Chui. Ouh mon dieu, les pièces qu'il a lui. Et. Oh ouais, bah non, on va pas, non, hein, clairement. Chui est pas mal, beaucoup de pièces, pas mal de temps. Lui aussi, pas beaucoup de pièces, mais il en a moins que l'autre. Là, c'est pas mal aussi. Ah, ils sont tous pas mal, hein. Tous pas mal, pas mal du tout. On va aller sur sur Tui. Est-ce que l'histoire des 520 pièces quand même, c'est qu'il a farmé. Il ou elle a farmé d'ailleurs, je ne sais pas. Il est sur le 3-3. Le 3-3, ramassage de pièces, la coupa. Attention à la fleur, voilà. On est sur de la hauteur, il trace. La personne trace. Petit saut parfait, parfaitement maîtrisé. Ça c'est de la maîtrise, ça. Le freinage. Saut sur la coupa, coupa rouge, double saut sur la coupa rouge, grand saut sur les plateformes, l'ascenseur et le haut du drapeau, ça passe. On revient sur le niveau 1-1, monde 1, niveau 1, petite fleur pour les pièces. On passe sur un temps accéléré, attention, ça s'accélère. La partie prend un nouveau tournant. Il a eu les deux, comment ça s'appelle, les deux Goombas, les 20 secondes bonus de champion de vie. Goomba explosé, refleur, 20 secondes. Allez, est-ce qu'il va... Oui, farmage de pièces, il n'y en a absolument pas besoin, mais c'est pas grave, farmage de pièces, on n'est pas à la pièce près. Allez, étoile, l'étoile qui s'en fiche complètement, il la récupère si quand même. Ah, on récupère la fleur du haut, ça c'est assez rare. Goomba, double Goomba, ça passe. En accéléré, toujours. Dernière pièce, dernier Goomba, allez, le dernier escalier jusqu'au haut du drapeau. 2-2, niveau aquatique. Ramassage de pièces, mais juste avant le bloops. Ramassage de pièces encore. Et il prend toutes les pièces. La personne prend toutes les pièces, d'accord, ok. Les bloops easy pass, hein, ça fait du poulpe free. Pourquoi pas. Le bloops en... Pas des... J'ai dit quoi. C'est les poulpes, hein, pas les bloops. Qu'est-ce que j'ai dit. Je sais plus ce que je dis. C'est pas grave. On va dire poisson et poulpe, ça sera plus simple pour ceux qui connaissent pas le jeu. Allez. Poisson, ramassage de pièces, poisson. On repart sur la surface pour récupérer de l'air. Attention, oh, on récupère ces pièces-là. Très dangereux, ça, mais ça passe. Petit poisson. Farmage d'ennemis sur le fond de l'océan. Et récupération du tuyau pour sortir de là un petit peu. La bouffée d'air frais. Attention, la plante piranha. Et oui, la plante piranha qui passe aussi. On remonte l'escalier jusqu'au haut du drapeau. On revient sur le 1-1. Nostalgique du 1-1, bien sûr. Ramassage de la fleur. Les 20 dernières secondes. De nouveau, le temps s'accélère. Ils sont plus que 5. 5 derniers joueurs dans cette session de Mario 35. La vie pour les 20 secondes, c'est là, c'est nécessaire. Le temps accélère encore, on le voit. Allez, la petite fleur. L'étoile de nouveau. Ah, on récupère d'abord la fleur du haut. On va chercher l'étoile qui se balade. Et c'est parti pour un petit farmage parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis sur la map. Les deux Goombas, easy pass, escalier, drapeau, c'est propre, c'est très propre. Le 5-4, ouh, le challenge, attention, attention à la... Ouh, beau saut, très beau saut, à la roue de feu. Oh non, c'est dommage.
Boule de feu sautante. Là, ça trace. Là, ça trace. Oh, joli le frein, joli. On récupère une fleur. Attention. Ouh, chaud fait ça. Bravo, oui. On passe l'ascenseur. On se fait toucher sur la roue. On trace. Frame de, oh, frame de nouveau. L'étoile. Ah, la petite étoile. Bon, ben Bowser, il passe. Bowser aussi. Par contre, le temps n'est plus bon. Top 3. 3 joueurs restants. On repart sur le 2-2 aquatique. Farmage. La petite étoile. Le poulpe qui passe. Les pièces. Récupération d'une fleur. La coupa. Le poulpe. De nouveau, un poulpe. Allez. Attention, le temps, la clepsydre, on récupère un petit peu avec un bloc pot, c'est pas mal. Oh, joli carapace, très joli. De nouveau l'étoile, ah non, ça passera pas, il faut avancer, mais ça sent pas bon. Ah, ça c'est fini pour tout de suite, dommage. Très très bien passé avec un score de pièces à 202, c'est pas grave. On est chez Bruno à 275 pièces. Le temps s'accélère aussi, il n'y a pas tant de temps que ça. Là, l'autre personne. Ah, c'est pas mieux chez. Ah, mais il y a de l'étoile. Il y a de l'étoile. L'étoile, ça peut passer. Ça peut remonter. Double étoile, bravo, double étoile. Mais. Ouh là, le Bowser. Bien, les Bowser. Vite, foncez, escalier drapeau. Faut pas réfléchir. Escalier drapeau. Allez, fonce. Oui, c'est bien le temps. C'est passé à rien. Aquatique, et là, c'est fini. Là c'est. C'est fini, je ne vais plus rien faire. Et c'est du coup Bruno qui remporte ce round. Pour ma part, 8ème. Bon, c'est pas grave. Bon, c'était rigolo à faire. Très rigolo à faire. Je récupère un peu de voix, de gorge, comme on dit. Allez, un peu d'eau. Il restait combien de niveaux là? 5, il faut faire encore 5 stages en 35 normal. On y retourne. 5 stages, car il est 22h. Ok. 5 stages en 35 normal. On y retourne. On est ensemble pour encore une heure, un peu plus d'une heure, je pense. Ouais, la fatigue se fait ressentir, n'est-ce pas? Bon, il y a eu un top 1 pour le moment ce soir, c'était la toute première partie. Et après, c'était pas fifou, mais pas catastrophique non plus. Il n'y a pas eu de score vraiment mauvais. Même si il y a eu deux fails. Vraiment, c'est même plus du fail à ce niveau-là. La dernière mort sur le saut, c'est même pas un saut. C'est fait. Oh, un trou, tombé dans le trou. Ah, ok. C'est pas grave. Je peux pas commenter ce que je fais comme j'ai commenté pour les autres, et bien sûr. Je n'ai qu'un demi-cerveau, tout le monde le sait. Allez, objectif combien pour celui-là? Objectif combien? Oh, j'ai raté. Allez, je dirais le top 7. En même temps, full pas trop. Thank you.
Non, pop, 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 pop. Panique. Panique au bord du volcan. Intelligent ça. Oh. Vas-y, crash. Crash. Ouais, mais pas comme ça. Ça m'arrange pas. Hop là. Hop. J'aurais voulu passer au-dessus de la plateforme. Je suis passé en dessous. C'est pas grave. Ça, c'est limite de l'anti-jeu, quoi. C'est pas bon ça, ce que je viens de faire, c'est pas bon du tout. De finir le coup. Il y a ça manque d'ennemis. Dit top 7, hein. On est 9e. On est 9e, il reste 9 personnes du moins. Non, mais pourquoi je... Réflexe de ce niveau. Je me prends Bowser dans la face. Tiens, mange. Voilà.
Faut que je regarde plus la timeline. Hein. Allez, le retour du Bowser. Bon, de toute façon. Je vais m'amuser là. Ah bah tiens, l'objectif que j'avais. 7, bah c'est bon. Mais bon, si on peut viser mieux. Ah mais 2 ! Donnez-moi le 2 pour le prix d'un quoi. On va avoir une étoile ? Un pot ? Une étoile ? Ouais, autre chose. Autre chose ? Autre chose ? Autre chose. Voilà, parfait. Pour acheter un Bowser, notez-le bien. 1, 2, 3. L'étoile, l'étoile, l'étoile. On clean un petit peu, tant qu'à faire. Et qu'on nous attaque sur le temps, autant en gagner. J'ai peur que la pieuvre, le poulpe, ce que vous voulez, le bloops, passe. Wow. Allez! Non, 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 danger, 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 danger là. Plus que 6. Plus que 5. Vous l'avez tous entendu, jingle, top 5. Là c'est la cata, là c'est la cata, voilà. De rebond. Non, 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 pas un niveau aquatique. Ah, quelle horreur. Pas un niveau aquatique. Oh, quelle horreur. Qu'est-ce que j'aime pas ça. Les tortues, ça vole pas dans l'eau, on a dit. Ah. Ah oui. Hop, hop, hop. Ah, flûte. Non, je vais au moins le terminer. Ce sera pas possible. Ah si, peut-être. Le frère marteau, il est passé au-dessus. Ah. Bon.
Bon bah c'est fini. C'est fini. Oh, le répit. Le répit de 8 secondes. D'une seconde. Voilà, c'est fini. Deuxième, troisième. Troisième. Oh, ils ont tous fini. 0 sur 35. Waouh, il s'est passé quoi sur la fin là? Ah, j'aurais tenu 5 secondes de plus. C'était bon quoi. C'est dommage. Ça, c'est dommage. Ouais. Fin de la quête. Ah, j'en aurais farmé des pièces d'or au total. Je m'en serais jamais servi. À quoi ça sert ces pièces d'or? Je sais pas si j'aurais déjà répondu ça. Ces pièces d'or servent quand on lance un choix de bataille. Sur la gauche, sur la droite. Là, on peut choisir le monde, le niveau sur lequel on aimerait commencer, ou en tout cas que ça apparaisse. Plus c'est petit, plus ça apparaît, plus c'est des niveaux derniers. Voilà, vous voyez très bien, ça apparaît pas. Donc le 1-1 est apparu plus 1000 fois, le 1-2 est apparu, pour ma part, est apparu 899 fois. Le 7-1 est apparu une seule fois. Voilà. Et le 7-4 il est déjà tombé, mais jamais fini. Il est 4 heures. Mais tout simplement les pièces d'or au menu de droite, ça nous permet de commencer avec du bonus, un champignon, une fleur ou une étoile directement. Mais bon, je trouve pas ça hyper hyper intéressant. Cinq parties ce soir. C'est pas mal ça. Position moyenne 4. On a enlevé les gros fails. C'est pas mal. Donc là, l'idée, c'est de faire 2 ou 1. Puis, pour aller au mieux à chaque fois. Quoi. Un point sur tout ça après. Si on retournait à bataille spéciale. Ah ouais, mais je me mets des bâtons dans les roues là. Déjà 16? Et c'est parti vite hein.
Twitch est dans les choux. J'ai le retour qui freeze. Sur Streamlabs, ça va, mais. Ça a l'air d'être un peu dans les choux. Ouais. Ouh, le saut, il est. Ouais, bon, d'accord, ok. J'ai fait un bon saut et après un mauvais saut. Quoi. Mais d'où il est apparu? Ah, bon ça va, ça a été géré, mais... Quelle horreur, quoi. Et voilà, il revient. Et je me fais toucher. Vite, 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 on trace. J'aime pas les lacs qui tuent. Ça va être un slogan, ça. Déjà 6 partie rapide. Pas cool. Un peu plus. Moins cool. Moins cool ça, moins cool. Bon, c'est pas grave. Cinquième. Oh, l'étoile, sérieux. Il y a Denise, un japonais, il y a Rulian et Shadow, Dark Shadow XXX. On va aller sur Denise. Ah, Denise, manger la plante piranha. Denise, petit Mario, gros, grand Mario pour Denise. Denise, elle prend l'air là, elle est à Bayonne. Elle est sur les pontons là, au bord de la mer là. Oh, des petites pièces, tant qu'à faire, écoutez. Allez, on revient un peu sur l'herbe, on monte l'escalier de la côte de Bayonne, on attrape le drapeau là. Allez, Denise, au volcan, Denise au 2-4. La fleur, attention au saut là, il est mauvais, attention. La boule de feu, c'est bon, ça passe. Allez, l'enchaînement, en traçant, bonne strat. Surtout quand il n'y a pas d'ennemis sur la timeline, bonne strat. Attention Denise, deux personnes te visent là, pique, c'est dommage. Et pourtant, elle était dans la timeline. L'étoile gratuite, c'est bien ça, l'étoile gratuite. 3 plantes piranha achevées pour le prix d'une. Le buzzer y passe 5 secondes de plus dans le cumul du temps. Par contre, attention aux pièces, il n'y a plus beaucoup de pièces. Le 3-1 est un bon niveau pour se remonter dans le temps. Attention, la pic-pic. Ouh, c'était bien maîtrisé ça, très très bien maîtrisé. Et là, un peu moins du coup. On récupère un champignon, vite Denise, le champignon. Et non, pas de champignon pour Denise qui est éliminé. Il reste 2 personnes, Rulian et une personne japonaise. Du coup, on va aller sur Rulian. Le 5-1 ou le 5-1, pas mal de temps. Et le japonais a plus de pièces quand même. Rulian n'a plus de pièces, mais Rulian est tout petit. Attention Bilbal. Oh, joli. Mais attention Bilbal et pic-pic. Plus la qui tue, passage dans le tuyau pour récupérer des pièces ou juste pour tracer. Pour récupérer les pièces. Allez, Rulian, récupère les pièces. 10 pièces dans le bloc de droite. Est-ce que Rulian va tenter? Non. Non, juste le petit clean. D'accord, ok. Non, faut y aller, Rulian. Pour passer le... Ah, Rulian ne sait pas comment accéder à ça. C'est tout simple, faut passer par le dessus. Là, du coup, tu ne peux plus. Allez, sortie du tuyau. Le Bilbal est passé. Celui-là, non.
le retour de la Koopa. De nouveau, Roulin est en panique. Mais oui, le frère marteau, c'est bien. Fin du niveau. Le 5-2. C'est une spécialité, une spéciale, pardon, monde 5 ou bien. Ouh, joli. Mais malheureusement, il y a des frères marteaux qui... Ah oui, c'est des triplés même. Des quadruplés, ma frère marteau. C'était compliqué, là. La quadruplée frère marteau, c'était compliqué. Victoire de la personne japonaise. Et on repart en recherche d'adversaire. Allez, on est ensemble pour un peu plus d'une demi-heure encore. Ce serait bien de refaire un top 1 d'ici là quand même. J'ai relancé un bataille spécial, non? Je crois que j'ai relancé un bataille spécial. Hop, oh, la frame. Oh. Passer par là. Ouh, dangereux ce que je viens de faire. Tac. Je vais passer par là, s'il vous plaît. 1, 2, 3, je saute. Voilà, nickel. Si je peux récupérer la fleur qui est juste à droite. Bah, nickel. Hein. Voilà. Tout simplement. Thank you.
10, bah ça y est, c'est fait. Attention, niveau aquatique. Voilà, le voilà, le fameux. Ah non, 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 ça compte pas, ça. Passer sur ce passage là si t'as un frère marteau, un bloops, un autre bloops qui t'attend en bas, ça c'est un vrai traquenard. Non. Dernier moment, mais je l'ai vu. C'est pas grave. Non ! Sur le haut du drapeau ! Cheaté, ça. Allez, 5. Saute encore Bowser, saute, saute Bowser. Voilà. On piquine. Le retour de la carapace. Non. Juste non en fait. Grave. Alors, qui est en jeu? Mad Winmin, Triforce 55, Angel, Michi. Michi, manque de pièces, je ne sais pas comment passer ça. Oh. Michi sur le 8-2 quand même. Aïe, 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 vite, vite. Martel, 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 martel. Fallait se baisser là. Là, fallait se baisser. Là aussi, fallait se baisser en fait. Là, c'est la galère. Ah, dommage. Madwin Win. Triforce 55. Triforce 55 sur le 3-2. Angel sur le 3-2 aussi. Madwin Win sur le 2-4. On va aller sur le 3-2. Sur Triforce 55. Triforce 55 qui. Martel, 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 le bouton B. Allez, l'étoile. Récupérer l'étoile, voilà. Ça, c'est juste un niveau à temps. Donc, autant farmer le temps le plus possible. Faut se faire plaisir, bravo. Frère marteau. Oh, bon, Osef, frère marteau, d'accord. Fin du niveau. Le 3-3. De la fleur, mais le frère marteau y est passé. Retour du frère marteau, attention. Étoile, c'est bien, étoile. Champignon, champignon là. Voilà, frère marteau, oui, non. Allez, c'est bien. Passage, refrain. Et c'est l'invasion des frères marteaux. Hein.
Oh, c'était ambitieux. Oh, bravo. C'était un saut ambitieux, mais avec pertes et fracas. Plus que deux. Triforce 55. Versus. Andiel. Oula, oui, notre Triforce 55 est dans une panade pas possible. Là, c'est compliqué. Les plantes piranha qui arrivent, je suis pas sûr que ça passe. Allez, le bon timing. Allez, Triforce. 1, 2, raté. Dommage. Ah, j'ai. Oui, bon. Ouais, on va aller sur ça. Non! Oh, l'erreur, 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 ça passe! Mais c'était une grosse erreur, ça! Très, très grosse erreur! Moi, je pense à prendre la Warp Zone après. D'avoir une petite variété de niveau quand même. C'est bon, ça va. Oh, pic-pic alors que je viens d'éliminer le Lakitu. Ah bah tiens. Ah bah encore plus. Ok. Pourquoi le 1-4? Oui, c'est dans l'ordre. La fatigue, les amis, la fatigue. 1, 2, 3. Ça n'a servi à rien du tout. Oh non, mais il y a la Kitu là. Pour l'instant, la Kitu est bloquée, tant mieux, mais quand ils vont sortir les deux là. Voilà, là par exemple, je fais quoi moi? J'ai tracé, ça m'a frustré, j'ai tracé. Ça fait un petit trou dans le classement 13. Oh non, 13, j'aime pas ça. Je n'aime point ça.
Ah, la warp zone, je voulais y aller, j'ai raté. J'ai raté, j'ai oublié surtout. J'étais sur la plante piranha, je sais pas comment j'ai gardé ma fleur. Hein. Sérieusement, je veux bien râler sur des choses injustes dans le côté négatif, mais en étant objectif, là, j'aurais pas dû garder la fleur, hein, mais pas du tout. Pas cool ça. Ouais mais là je suis dans une 1, 2, 3, voilà, c'est bon. Trois là qui tue. Je les vois arriver là. Non. Juste non. Ah là oui, ça va. Viens là. Allez, c'est bon, les lacs qui tuent, ça dégage. Oh, il revient. Oh bien. Un Bowser, vite. 5 là qui tue. Stop, on s'arrête là. Un, deux, trois. Bon, c'est pas grave. Faut tracer là. Non, réfléchis pas. Vite, la frame. Oh, ça passe. Bon, là, c'est fini là. C'est fini pour moi là. Voilà. Je l'avais dit, hein. J'avais dit. Bon allez, un dernier coup en bataille spéciale, après on fera un dernier coup en bataille normale et on essaye de penser à la warp zone histoire de d'aller sur des niveaux qu'on fait moins d'habitude en stream. Faut y penser. Ah, flûte. Ah,
Oh oui. On va récupérer le champignon. La warp zone, hop là. De l'autre côté, on réfléchit pas, on va au 4-1. On va essayer d'aller le plus loin possible comme ça. Je suis en train de me mettre des bâtons dans les roues complètement. Ça, c'est un niveau à l'altitude, je le sais parfaitement, mais c'est pas grave. Il est où? Je le vois pas. Ok. Ah là, c'est bon. Pas que je perde ma fleur. Il y a un Lakitu qui va revenir après le... ça, voilà, il est là. Ouais, je m'attendais pas à en retrouver autant par contre. Ah, flûte, vite sans trace. Voilà. Je sais qu'on perd, mais ça arrive si j'en élimine au moins un, c'est bon, c'est plus bon. Étoile, étoile, oh, étoile, quelque chose. Nickel. Voilà, c'est bon, allez, on trace. Il y avait une liane pour aller dans le ciel, si vous savez pas, plus des bonus. Le Lakitu qui revient sur la fin, mais quel troll! Allez. Ça passe. Allez, on les élimine, c'est bien ça. 4-2. 4-2, on va essayer de pas tomber déjà. Ah mais je me prends la fleur là quoi qu'il arrive. Et oui. Non, j'étais sur la frame encore. Ah, je voulais prendre la warp zone du 4-2. Je voulais prendre la warp zone du 4-2, ça m'embête. C'est pas... pas cool, vraiment pas cool. Ils sont encore nombreux, mais on va commenter. J'avais dit que c'était la dernière bataille spéciale avant de partir en dernière bataille normale. On a qui? On a Joey, Papa Fabio, Stella 10, Kevin, Sarm, quelle fleur, Capitole, machin, Fabs, Maxter et Fleur. On va voir. Ah, et quelqu'un en bas ici. Allez. Madwin? Mais c'est la même personne que tout à l'heure, ça. On retient, c'est en bas à droite. Hein. Mais on va jeter un oeil à Kevin. Kevin, il a pas mal de pièces, pas mal de temps. Une carapace. Alors, Kevin a l'air de prendre son temps. Mais Kevin farm tranquillement. Il n'y a qu'une personne contre Kevin pour le moment. Voilà, c'est bien. Kevin récupère la fleur, 20 secondes. Petit coup de... Ah non. Il faut lancer des boules de feu à un moment, Kevin. Il y a une étoile là-haut. Ok, des pièces. Bon, pourquoi pas. Ramassage de pièces. Allez, c'est gratuit. C'est à la maison qui offre. Voilà, l'étoile. Hop là, voilà. On saute. Kevin prend vraiment son temps. Allez, il faut aller chercher l'étoile, Kevin. Allez. Non, Kevin a peur. L'étoile, c'est gentil, Kevin. Allez. Voilà, c'est bien. Ah, voilà. Kevin a compris qu'il fallait accélérer maintenant. Ok. Il est bon là. Voilà.
n'est plus que 8. Oh, joli. C'est un beau joli saut, ça. Attention, la cave. Bien, bien joué, ça. Bien joué, très bien joué. Bravo. Voilà, ça, c'est de la maîtrise. Ça, c'est de la maîtrise. Allez, 20 secondes de plus. C'était pas utile, cette fleur-là, mais c'est pas grave. Ah, ok. Alors, quand c'est des petits trous comme ça, Kevin, on peut accélérer pour les passer. Ce n'est pas besoin de sauter, mais bon, pourquoi pas. La sécurité avant tout. Ouh, c'était juste là. C'était juste, juste. Attention, attention, patiente. On patiente. L'ascenseur, voilà, on le fait monter. On ressaute, drapeau. Ça passe. Le 3-4, niveau de lave, niveau de Bowser. Là, il faut sauter. Là, c'est, il faut faire attention. 3 tourniquets enflammés. Bon, perte de la fleur, mais c'est... Oh, dommage, frère Marteau a sauté trop tôt. Et bien, bravo. Récupération de la fleur. On se met bien au bord, on saute. Sinon, on prend le rebord et du coup, ben, on va dans le trou. Mais c'est pas ce qu'il faut. Attention aux boulpes, ça passe. Changement de sens pour les manèges de feu. Attention, champignon, ça va. Attention, on se baisse. Ah, dommage. Dommage. Rebondissement sur le frère marteau, c'est passé. Là, oh non, la flamme, non, non, Kevin, non. La flamme, c'était quand même obvious. Allez, on nettoie le terrain. D'accord, attention, faut sauter. On renettoie le terrain. Et là, on spam la boule de feu, Kevin. Il faut spammer la boule de feu pour Bowser, non. Il y avait juste un tempo avec la boule de feu, c'est dommage de perdre une fleur sur ça, dommage. Le 4-1, le retour des Lakitu, qui vont être en compagnie de Bloops. Ouh, ça se complique. Mais nettoyage de la zone et de l'écran avec le pot. Récupération du champi. Non, ah non. Non, une fleur, c'est mieux. Bah écoute, pourquoi pas. Avec une autre fleur juste en haut. 20 secondes. Non. Ah non. Ouh, le Bilbal. Bilbal surprise. Attention. Re-Bilbal. Pourtant, on l'a entendu. On l'a entendu. Bowser a décidé de prendre la hauteur. Attention, balançage de balancement, même balance de carapace, le bloop. Sauter, fallait sauter, c'était esquivable. Et oui, ça revient derrière, attention. Ah non, il veut assoupri avoir le Bowser, d'accord, mais bon. C'est un choix. Chacun fera comme il voudra. Là, il faut clean. Par contre, il y a une étoile, il faut clean. Et là, la petite vie surprise. Récupération de fleurs. Kevin a de la chance dans son tirage quand même de... De la roulette, ça clairement on peut pas lui... Oh bien, bravo, on vole. On vole, c'est bien. Attention, on faut... Là normalement c'est contestable. Hein. C'est contestable, la récupération des pièces. Le poulpe, frère marteau. Et le Lakitu, frère marteau, c'est bon. Allez, passage secret. Passage secret dans le tuyau pour récupérer des pièces. Attention, accélération et baisse. Et ça, bien, bravo, très bien. Ça, c'est de la technique aussi, bravo. Attention, saute, hop là. Bien. On est sur la fin là, Kevin. Faut tracer. Voilà. Il reste que Kevin. Et à droite, je sais plus comment s'appelle la personne. D'ailleurs, comment s'appelle la personne? On va vérifier ça de suite. C'est Maxter. Maxter qui a plein de pièces, du temps, une étoile, des fleurs. Maxter est plutôt bien sympathique. Mais Kevin aussi. Kevin sur le 4-2 et... Oh, bah c'est fini. Kevin a gagné. Je crois que Kevin a gagné. Kevin a gagné. Félicitations à Kevin. Félicitations à Kevin. Bravo Kevin. Allez, remenu principal. On passe en bataille normale. Bataille 35, le mode classique de Super Mario Bros. Pour la dernière, hein, c'est la dernière. La dernière, et après, je vais devoir vous laisser. Ça tiendrait qu'à moi, on jouerait jusqu'à 8h59 demain matin. C'est la dernière soirée de Mario 35, je le rappelle. Après, le jeu ne sera plus du tout disponible. Il a été gratuit pour les abonnés au Switch Online de octobre à là maintenant. Mais voilà, responsabilité oblige, vous le savez. Faut se coucher et prendre un rythme normal aussi. C'est important, le rythme normal. Question de santé derrière et question de sociabilité aussi un peu au passage. Mais bon, le geek n'est pas sociable, tout le monde le sait. Ce cliché sera combattu jusqu'au bout. Bon, les dernières batailles normales. On y va tranquillement, on farm, je sais pas trop, c'est la dernière. Si on peut être top 1,
peut être bien. Ça peut être bien d'être top 1. Premier try de la soirée, on a fait top 1. Si on peut terminer avec un autre top 1, en vrai, on ne se couche l'esprit serein, l'esprit tranquille. Allez, récupère la fleur. Fais attention au Goomba, fais attention au Koopa, on récupère des pièces. On récupère l'étoile au passage. On laisse la fleur là-haut, c'est pas grave, on continue de tracer, on ferme les ennemis, ça nous fait gagner du temps. On commence avec très peu de temps sur cette bataille-là, du coup autant fermer le temps. Comme d'habitude, mais à force vous le savez. Directement le 2, hein. C'est parti, on récupère une fleur ici, celle-là elle est gratuite. Elle est facile à avoir, on nettoie la zone en bas. Et tant qu'à faire, on va chercher la vie qui nous donne des pièces. Des petites 20 pièces. Continue de clean. Tant qu'à faire. Hop là. Et la fleur secrète, attention, la voilà. Elle est très secrète. Oh là là, quel secret. Mais bon, c'est la première case. Quand tout le monde tape la première case, c'est pas un secret. Qu'est-ce qu'on fait? On est bien, mais on manque de pièces. J'aime pas manquer de pièces. On va aller chercher des pièces. Hop là. Partons vers zone. Vers un d'autres cieux. Référence Team Rocket Pokémon. C'est pas le même jeu, c'est pas la même licence, mais ça reste du Nintendo au final. C'est pas grave. Allez, fermage de pièces. Voilà. Ça fait un peu plus de 20 pièces, c'est pas mal. Un peu plus de 20 pièces, ça fait au moins une roulette. C'est assez correct. Wow! Calme! Ça a clean la timeline des ennemis au passage. Bon. On était correct dans le... Oh mais non, mais quelle nullité! Nullité. Allez. C'était la triade des Goombas, mais ils étaient 5. Voilà, attention. On se calme. On n'est pas sur un niveau glissant. On se calme. Et on récupère les 20 pièces secrètes. Ici. Ça, c'est un vrai secret, par contre. On va clean ça. Voilà. Attention, là, on... Je l'ai vu venir, celui-là. Je l'ai vu venir. Mais comme à chaque fois, hein. C'est pas grave. C'est pas grave. On laisse la fleur là-haut, on trace. Tac. Fait glisser là encore. À chaque fois qu'il y a, un trou. Horrible. Horrible sur 20. Oh, le fameux niveau aquatique. J'en ai marre des niveaux aquatiques. C'est inintéressant. Non, en vrai, c'est pas inintéressant. C'est pareil. Le 1-3 est inintéressant. Les niveaux aquatiques, c'est pas inintéressant. C'est juste que je les aime pas. Mais c'est tous les jeux, hein. Niveau aquatique, peu importe le jeu, je déteste ça. Ça, voilà, je fais n'importe quoi. Et là, il y a l'omelette des champignons, c'est pas grave. Fallait que je mette mon nez dedans. Hein. Fallait... Oh là là. On va se poser. On est sur la fin, là. On est sur la fin. Un peu de clean. Allez, un peu de clean. Voilà. Allez, 10. Plus que 10. J'aime pas le 1-3. Ça, c'est un niveau inintéressant au possible. Mais bon, si on doit rester objectif, c'est lié à un niveau tuto pour à dire oh là là, il y a un niveau aérien. Voilà. Il sert juste à ça. Je devais faire un classement des niveaux Mario Bros. Plus intéressant ou moins intéressant pour moi, ce niveau serait au fond du trou. Il est nul! Il est nul ce niveau! Et encore plus nul
dans la version d'origine du jeu. Et je me mange tout là. Est-ce que je peux sauter en paix? Oui, c'est bon. Je me demande s'ils ont refait le jeu sur Mario Maker pour l'adaptation. C'est une bonne question, ça. Très bonne. Ah, mais j'y pense. Tant que j'y pense, dis donc. Vu que, quand même, Mario, c'est quand même un coup de cœur. Ça, c'est, on le sait, tout le monde le sait ici. Mario, c'est du coup de cœur. Il va falloir remplacer Mario 35. Je compte pas faire Sunshine de suite et Galaxy de suite. Il y aura d'autres choses entre temps. Mais par contre, un petit Mario Maker de temps en temps, ce serait intéressant, ça. Maintenant qu'on sait que ça fonctionne, ce serait hyper intéressant. Pour voir la créativité des gens, les tryhards, la poésie aussi, il y a des niveaux poétiques dans Mario Maker. Attention, le Goomba derrière, non, c'est bon. Alors, il y a une étoile ici, je crois. Oui, voilà. On la récupère. Marteau, viens là. Je ferai un marteau. Et ici. Voilà. On récupère la fleur au passage. Tac. 7. Allez, frère marteau. Allez, le bloops. On clean, on clean, on clean. Si on peut récupérer une fleur au passage, elle est sur la droite. Elle est sur la droite, mais... Le bloops. Deux bloops. Eh, mais c'est l'invasion, là. On est au fond de l'océan, on est où? On est sous l'océan, comme dirait Sébastien. Sous l'océan. Allez. On récupère les pièces. Je savais bien qu'il y avait un bloc à casser ici. Attention. Ah, mais la plante piranha, elle est troll, ça, là. Oh, je l'ai pas pris. Par contre, le bloops... Ouais, là c'était complicado. Complicado, le bloops. Je me méfie de la timeline. Les ennemis sont un peu espacés. Et du coup, pour les sauts, pour les écraser les uns à la suite des autres, c'est pas pratique. Donc autant prendre le temps. Je devrais rire une chanson comme ça. Autant prendre le temps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh mon dieu. L'étoile vite, mon dieu, mais pourquoi j'ai attendu sur cet endroit? Il y avait un bloops devant moi, il me faisait coucou, et moi qu'est-ce que je fais? Je reste devant. Heureusement c'est passé, mais bon, c'était pas intelligent du tout, oh là là. J'ai pas été assez rapide. Le 1-4, dis donc. J'ai envie de récupérer la fleur quand même. Allez, marteau, tu t'en vas. Mais du coup, on va se récupérer. Oh, le Bowser, il est juste après. Voilà. Alors, 1, 2, 3. Je peux rien faire. Ah, flûte, flûte. Étoile. Bowser, viens là. Bowser, viens là. Bon, il veut pas, c'est pas grave. Est-ce que ça passe? Ça passe! Yes! Ça passe. Mais par contre, voilà. Oh bah écoute, c'est gratuit, on prend. Hein. Viens là, toi. Oh oui. Il y a un bloops qui est top 5. Étoile, bah c'est l'enchaînement des étoiles, là. Mais par contre, les pièces, c'est pas la joie. La joie Bézilie... Bah, j'allais faire une blague, j'ai raté. J'allais dire la joie Bézilie, mais c'est pas grave. Étoile. On va chercher une fleur. Parce que là, ça se complique. Je
Ah, raté. Et le retour du marteau à côté. Est-ce que je peux tracer? Non. Ah, peut-être, attendez. Comme ça. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ok, c'est bon. C'est lequel? Le 1-2. Alors, on va y aller. Ah, il y a un Bowser qui nous attend après. Ouais. Ah, il est juste là. Purée. Ok. Par contre, là, les pièces, ça craint. Ça craint, ça craint, ça craint. J'aimerais bien 4ème top 4 plutôt. J'ai besoin de pièces par contre, j'ai vraiment besoin de pièces. Pas votre troll? Oui, il y a la troll. Je vais me faire avoir sur le temps. Avoir sur le temps. Oh, un niveau à temps, cool. Ça c'est bien ça. Et lui il tombe pile poil. Le boost pas vraiment. Oh le lag. Mais qu'est-ce que c'est quoi ce... c'est quoi tout ce qu'on vient de me balancer là? Ah, je suis deg. Bon, 4ème, c'est pas grave. Ah bah j'allais dire observation, mais en fait pas du tout. Du coup, qui c'est qui a gagné? Si j'arrive à mettre le classement correctement. Voilà. 4ème pour ma part, David AMR 3ème, Furball 2ème, Talon 1er. Oh la fin, quelle galère. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est un peu frustrant quand même. Hein. J'ai envie d'en faire une dernière, mais vraiment une dernière. Ça, c'est la der des der, comme on dit. Vraiment la dernière. Pendant ce temps, l'ordinateur me dit qu'il n'y a plus trop de batterie ici. Pas maintenant, combien de temps il reste? 23 minutes. Ça devrait le faire. J'espère. D'accord, donc c'est même pas une bataille 35, une bataille 34 avec des personnes qui... Bon, c'est pas... tant mieux pour moi. Allez, concentration au maximum. Thank you.
Oh, apprendre à sauter. Je vais acheter une corde à sauter, comme ça moi j'apprendrai à sauter. Oh la plante piranha, bon ça va. J'ai vu au dernier moment. Y arriver, oui. Récupération de pièces. Je vais dedans. Allez, je me le permets. Je me le permets. J'ai pas sauté encore une fois.
Warp Zone. On retourne sur le 1-2. J'ai pas envie d'aller sur le 2-1. Warp Zone, on va tenter. Ah bah c'est les mêmes choix, sérieux. Ça me dérange pas de le faire jusqu'au bout celui-là. C'est un 3 à la suite pour le moment. Ah, voilà qui est intéressant, mais on n'y va pas. Warp Zone a compris qu'il fallait changer les choses. Ah. Elle est partie. Elle a été éliminée. Un peu long quand même. Le 6-2 là maintenant? Et direct avec du temps réduit? Il y a des tuyaux partout dans ce niveau. Ah c'est bien ça à côté. C'est long. Ça va encore se jouer autant, c'est pas drôle quoi. Ça. Thank you.
Non, sérieusement, ça va se jouer autant. Le 8-3 en plus. Alors, je veux bien que ce soit un niveau à temps, mais il est hyper dur. Allez, 7ème. Dans les dents. Ah purée, je tombe. Et 5 ou 6, je sais plus. 6ème, je suis tombé. Bon, on va regarder. Histoire de terminer, il y a Dudy, Selina, Jag, Yérimi, Drew. Bon, il n'y a plus Yérimi du coup, Drew. Jag, ah, Selina, ah bon, bah il n'y a plus de Selina, Jag et Drew. Jag et Drew qui sont au même point, plein de pièces, le temps qui part mal, en accélérant du moins, mais ils ont quand même une fleur chacun. Oh là, dommage, cette perte de fleurs, c'était un peu la panique de la rapidité. Double. Oui, non, oui, joli, les sauts, très beaux sauts, ça, ça c'est digne des Jeux Olympiques. Ah, ça, c'est très dommage, ça. Mais la fleur a été débloquée avant, donc c'est rattrapable. Farmage du temps. Oh, le frère marteau. Oh, il n'a pas fait long feu, mais malheureusement, marteau touché. C'est pas bon. Le petit. Oui, c'est bon, les 20 pièces. Ah, oula. Bon, ben voilà, c'est fini, j'aurais pas commenté bien longtemps. Du coup, bon, ben c'est Drew qui a gagné. Voilà. Allez, on fait un point sur. Oh mon dieu, l'heure. Les stats, c'est terminé pour moi sur Mario 35, c'était les derniers streams, vraiment, je m'arrête là, et le jeu s'arrête là de toute façon, mais voilà, il reste précisément 8h59 et 40 minutes à peu près de disponibilité du jeu, on va s'arrêter là tranquillement. Les stats, qu'est-ce qui s'est passé durant toutes ces différentes sessions et le début du jeu pour moi? J'ai joué à Mario 35 pendant 60h45 minutes et 38 secondes. Alors ça, on parle bien de temps de jeu. Là, le jeu est lancé, mais ça ne compte pas. Le temps de jeu, c'est le temps en partie. J'ai joué 579 parties. Oh, c'est dommage, 580. Meilleure position, premier, on l'a tous vu. Nombre de victoires en première position, 42. J'étais 42 fois top 1. C'est pas mal, c'est moins de 10%, mais c'est pas mal, je suis content de moi. Nombre total de pièces ramassées, 288 079. Record de pièces ramassées en une partie, 3090. Total de KO sur toutes les parties, 360. Record de KO en une seule bataille, c'est 7. Nombre de pièces ramassées avec les KO, 23 796. Nombre total de sauts, 151 758. Distance totale parcourue, 770 028 blocs, donc c'est les cases, hein. Je pense que c'est ça. Record de distance parcourue 481. Nombre total d'ennemis vaincus, on parle bien des Goombas, des Koopas, etc. 156 894, c'est beaucoup ça. Record d'ennemis vaincus en une bataille, 129. Record vaincu d'ennemis à la suite, 18, ça c'est les étoiles ça. Record d'ennemis vaincus avec une carapace, 20. Bah, c'est à la suite pourtant ça. C'est quoi la différence? Je sais pas. Record d'ennemis vaincus avec une super étoile. Bah voilà, justement, 57. 57 en une étoile. Bloc brisé au total, 13 590. Bloc point d'interrogation frappé, 15 602. Objets utilisés dans les parties. Donc fleurs, champignons, étoiles. 11 083. Super champignon obtenu, 1570. Fleur de feu obtenue, 4739. Ah ouais, quand même. Super étoile obtenue, 2785. Bloc pot utilisé, 451. Le bloc pot, c'est vraiment la particularité de cette version de Mario Bros. Hein. Champignon one up obtenu, qui rapportait du coup ici 20 pièces, 1548. Record de joueurs vous prenant pour cible. En gros, combien de fois j'ai... En une fois, combien de joueurs m'ont ciblé en même temps? 14. Et c'était très dur. Je m'en souviens, hein, celui-là. Détail des ennemis. Combien de Goombas ont été vaincus? 116 759. Les Koopas vertes à pied, 19 120. Les plantes piranhas, 6 023. Les Koopas rouges à pied, 5 506.
les coupas rouges ailées 2356, les coupas vertes ailées 1606, les pic-pic 1203, les bloops 1012, les bowser 913, les poissons, oh à chaque fois je vous dis les bloops du coup, 884, frère marteau 512, l'Akitu 477, un poisson volant 168, comment ça s'appelle, Bilbal 150, cette carapace là j'oublie toujours son nom, 134, 52 flammes surprises, j'ai oublié le nom aussi, ce qui est plutôt pas mal parce que normalement pour les vaincre il faut le faire. Résultat récent, malheureusement il y a deux pics, il y a le 13 et le 12 qui piquent un peu justement, mais la courbe d'avant était plus jolie, bon bah voilà, c'est comme ça. Ah il y a eu 4 KO, il y a 3 parties quand même, en une partie, c'est pas mal. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre, les classements de pièces, je crois que je l'ai jamais montré. Voilà, position pièce, en gros, je suis plutôt bon. Plutôt bien classé. Je pense. Ouais, c'est correct. Hein. Franchement, c'est correct. Hein. Oui, ça, c'est le record. Ça, c'est pour la bataille spéciale, par contre. Pour cette semaine. Et bataille à 35. Ah oui, là, je suis très bien classé. Même. Très très bien classé. C'est pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. Prends le screen de ça. Voilà. Bon, j'ai été ravi de vous présenter Mario 35 sur ces divers streams. J'aurais bien voulu plutôt vous présenter avant dès octobre, mais bon, le matériel fait que c'était pas possible. Bon, on a passé un bon moment, j'ai passé un très bon moment. C'est vraiment ce Mario-là, c'est un jeu que j'adore. Mario Bros de base, c'est le premier jeu que j'ai eu dans les mains en fait de toute ma vie. Donc voir ça en un peu Battle Royale, ça met un peu de peps. Et s'y replonger dedans, je trouve ça super chouette. Donc pour moi, ça reste une bonne surprise. C'est dommage qu'ils arrêtent ça maintenant, mais bon, c'est un jeu temporaire. Pour fêter les 35 ans de la licence Mario. On ne peut pas leur en vouloir, hein. C'est de l'événementiel. En espérant qu'ils fassent d'autres choses pour les prochains anniversaires. Je vais vous laisser du coup. Je suis désolé, je paye comme ça, c'est pas bien. Passez une bonne nuit, une bonne soirée. On revient sur Iva Sound. Suivez le Discord, Twitch et compagnie, ça sera écrit de toute façon. Mais normalement, lundi soir, Stardew Valley, normalement, à confirmer. Sur un certain mardi prochain soir, Among Us, le retour d'Among Us. Et après, on verra. Mais dans tous les cas, vous aurez le planning dimanche soir d'afficher. Allez, je vous laisse. Bonne soirée, cordialement.